Bien, on se retrouve sur Minecraft, bien évidemment. Bien le bonsoir à tous. Je vois qu'il y a Anto, je vois qu'il y a Nolan, je vois qu'il y a Yoshi, je vois qu'il y a Chef Puma, et je vois qu'il y a Cyber, je vois qu'il y a Walibi aussi. Bonsoir à vous, merci d'être présent pour ce live Minecraft RP. C'est parti, messieurs. Je vais m'approcher, et comme vous le savez, c'est un live en vocal, donc dès que vous apparaissez à l'image, je vous entends. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. Bonsoir par Wham World. Alors ouais, je réglerai ça, Nolan, pour la demande d'amis. Ça va nickel, Nolan, je te remercie. Et il te va très bien. Il te va très bien, ton petit badge de premier. Et ça me fait plaisir. Alors, Chef Puma a rejoint la partie, très bien. Est-ce que je peux inviter des gens, peut-être? Déjà, on va faire le 7 max player comme d'habitude. Alors, 7 max player. Il faudrait que je commence par le slash, peut-être. Voilà. On va mettre 10. Très bien. J'ai une question. Je pourrais jouer à Minecraft un jour avec vous? Mais oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, Walibi. C'est ouvert à tout le monde. Je l'ai toujours dit. Hein. Il suffit juste de follow la chaîne. Et de me filer ton pseudo, c'est ouvert à tout le monde. Aucun problème. Salut T41, j'espère que tu vas bien, comment ça va? Alors je me rapproche du centre-ville là. On va voir si on va croiser du monde ou pas. Est-ce que c'est possible de mettre Modo sur Twitch, s'il te plaît? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai dit que les modos YouTube étaient modos Twitch. Donc du coup, alors comment ça marche? Je crois que c'est slash mods. Alors attends, je vais d'abord copier ton pseudo. Parce qu'ils vont me demander de le copier à un moment donné. Copier. Alors, contrôle C. Alors, mods. Je crois que c'est mods, hein. Alors, mods, hop, contrôle V. C'est comme ça que ça marche? Non, ça marche pas comme ça, j'ai l'impression. Ça marche pas comme ça. Je gérerai ça. C'est quoi la commande pour les modos? Je ferai ça, Nolan, je ferai ça dès que je pourrai. T'inquiète, je le ferai. Mais là, pour le moment, la priorité... Par contre, vous êtes tous cachés, ça me fait peur. Vous êtes tous cachés. Ok, alors mon pseudo, c'est PSK. Ah, c'est un pseudo PS4. On va t'inviter dès ce soir, Walibi. Dès ce soir, je vais t'inviter dès que... Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous cachés? Ils sont tous cachés. Alors, on va balancer les invitations, déjà. On va balancer les invitations. Willy, Perturbator. Et ça, c'est les gens qui sont connectés, c'est tout. Et pour la PS4, je vais donc inviter en ami... Monsieur le maire, je vous appelle via une cabine téléphonique. Très bien, attendez, je vais vous prendre au téléphone dans mon bureau. J'ouvre mon ordinateur portable. J'allume Skype. Alors, Monsieur Event, qu'est-ce qu'il a à me dire, Monsieur Event? Problème. Alors, Monsieur Event. Vous avez quelque chose à me dire, Monsieur Event? Bonjour, Monsieur Event. Vous m'avez appelé? Dring, dring, dring. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Event. Monsieur Event, vous m'appelez, mais ça ne marche pas.
trouve ça bizarre. Ah, c'est normal, parce que j'ai tout éteint. Monsieur Event, bien le bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous ? Je vais fort bien, et vous ? Ah bah ça va très bien, je vous remercie. J'espère que c'est important ce que vous avez à me dire, parce que monsieur le maire est très occupé. Oui, alors, cette fois-ci, Minecraft est encore plus cassé qu'avant. D'accord. Donc, ah oui, vous êtes même pas sur la map. Bah, je vous vois, je fais pour vous rejoindre, et je vois délai de connexion. Est-ce normal qu'on m'exclue de ma propre ville ? Attendez, je ne vous vois pas connecté, monsieur Muscle Sign. Bah, je vais relancer. Je ne vous vois même pas connecté. Je vais relancer la machine, mais je vais arriver. Coûte que coûte. Alors, je trouve ça bizarre que ça ne marche pas et que je ne vous vois pas en ligne. Mais pourtant, la semaine dernière, ça avait bien marché. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vous avais invité la semaine dernière sans problème. Donc, je ne sais pas où ils sont tous. Ils se sont tous cachés quelque part ou quoi, là ? Je ne sais pas non plus. Écoutez, monsieur Event, je raccroche le combiné. Vous me contactez par SMS dans le chat. Merci beaucoup. Ok, pas de quoi, pas de soucis. Alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? C'est bizarre. Ils sont tous cachés quelque part. Je ne les trouve pas. Donc je sais que Monsieur Chef Puma et Monsieur Madame Chef Puma est parti en vacances. Sont partis en vacances, mais il doit rester Monsieur Anto et Monsieur Saver. Mais je ne les trouve pas. Ah, ils sont peut-être au zoo, tiens. Bon, je vais ajouter le pseudo de... Je vais ajouter Yoshi... Je vais ajouter Walibi. Donc Walibi. Alors, je le répète, pour tout... les possesseurs de Minecraft. Si vous avez Minecraft, vous pouvez nous rejoindre. Il te suffit juste de follow la chaîne Twitch et de me donner ton gamer tag. Donc là, je vais dans rechercher. Il m'a filé son pseudo. Ah, Crinofad, il est sur PC, c'est pour ça. D'accord, je vais te rajouter, Nolan. Ça marche, j'avais pas compris. J'avais pas compris, Nolan. C'était pour que tu rejoignes la map. Oh là là, on est perdu, les gars. On est perdu. Alors, chaîne. Je te rajoute juste après. Chaîne Xia. Chaîne Xia. Xiao, pardon. Xiao, combien ? 0126, très bien. Voilà. Alors, la demande d'amis est envoyée. Très bien. Parfait. Donc, tu peux rejoindre la map, Walibi. Hein. Tu peux rejoindre la map direct. Ensuite, nous allons inviter. Donc trouver des amis en plateforme. Et il m'a dit que le pseudo c'était Crinofab, le gamer tag. Donc Crinofab. Ah merde, j'écris Crinfab. Sans déconner. Crinofab. Alors, Crinofab, ajouter un ami. Très bien, donc pareil. Ah, mais Monsieur Arke a réussi à rejoindre, c'est très bien. Parfait, la demande d'ami avec Crinofab est partie. Je vous répondrai dès que mon petit frère dort. Très bien, pas de problème. Alors, Monsieur Arke est là, hein, direct. Hein, Monsieur Arke, très présent. Hein. Monsieur Arke, comment ça va ? Ça va mieux. Ah, ça va mieux. J'ai pu arriver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas.
Mais je pense que ça a mis que j'étais hors ligne sur les, toutes les plateformes et j'ai pas pu rejoindre. D'accord. Bon, bah écoutez, il y a souvent des problèmes techniques avec vous, monsieur Arquet. Bah oui, mais c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça, on peut rien y faire, c'est Microsoft qui est buggé. Exactement. Très bien. Bon, ils sont tous cachés là par contre, hein. Bah, vu que j'ai une carte très développée avec un GPS, je sais que Anto et Saver sont partis faire le zoo. D'accord. Mais les deux autres zigotos qui sont partis en vacances, plus aucune nouvelle. Ils sont... Vous pouvez me prêter votre map, s'il vous plaît ? Oui, elle a un nom qui m'est adressé, car monsieur Evanco me l'a donné. D'accord, très bien. Alors écoutez, pour pas vous l'abîmer, je vais déjà passer en mode survie. Ensuite, je vais faire ça. Je vais jeter... qu'est-ce que je vais jeter ? Les os pour prendre la map. Très bien. Ah oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose d'affiché. Mais on les voit, les deux zigotos, comme vous dites. Je vois principalement les chemins. Donc les deux zigotos sont au nord, en fait. Ils sont au nord. Ils sont au nord, les deux zigotos, comme vous dites. Ça sera répété et amplifié, monsieur Arquet. Je vous rends votre map. Vous les avez appelés les deux zigotos. Est-ce que vous... petits zigotos, après tout. Hein. Très bien. Est-ce que vous voulez venir avec moi au zoo, monsieur Arquet ? Eh ben, pourquoi pas. Ah ben alors, venez, allons-y ensemble. On va aller voir la construction du zoo. Pour Walibi, d'accord, Walibi, il... tu peux rejoindre Walibi du moment que tu as le live connecté aussi. Hein. Tu nous entends sur le live, tu peux rejoindre la map. Donc, même si t'as pas Discord, tu peux venir du moment que tu nous entends sur le live Twitch. Aucun problème. Alors, on va passer par le palais, tiens. Non, c'est bon. Venez avec moi, monsieur Arquet. Fermez la porte derrière vous, hein. C'est pas un moulin, ici. Hein. Oui. Alors, sinon ça va, vous avez passé une bonne semaine, monsieur Arquet ? Ah oui, bah, dernière semaine de travail, dans les mines. Maintenant, je suis en vacances pendant 2 semaines. Ah, vous êtes en vacances pendant 2 semaines. Bah écoutez, ça fait plaisir. Vous allez pouvoir vous détendre un petit peu. Je risque de refaire un petit séjour, hein, en vacances. Ah, un petit séjour. Oh, c'est joli les bougies ici. Je savais pas qu'il y avait des bougies. Oui. Je ne savais pas non plus. Très je bien. Pense que c'est pour encore les discours. Oui, tout à fait. Ça fait très joli, très joli. Mm. Alors, on va passer par où ? Est-ce que vous aimez la nage, monsieur Arquet ? Ça peut m'hydrater. Ça peut vite quoi ? Ça peut m'hydrater. Ah, ça peut vous hydrater. Écoutez, on va faire une course. Le premier arrivé à toucher la terre ferme, de l'autre côté. Vous êtes prêts ? Ok. Alors, je dirais 3, 2, 1, partez, on part à partez. Aïe. Oh, ben, bravo, monsieur Arquet, faux départ déjà, tout de suite. Ah, comment vais-je faire ? Vous arrivez même plus à remonter maintenant. Je vais faire un peu de magie, ça s'appelle hop, poser les trucs. Très bien, parfait. Je vais casser juste après. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Arquet ? Oui, attention, vous faites attaquer. Oh ah. Là là ! Je vais lui démonter la bouche ! C'est bon, il est mort. Bon, vous êtes prêts ? Maintenant, je suis opérationnel. 3, 2, 1, partez ! C'est la course ! Oh là là, il va plus vite que moi ! Il va plus vite que moi, sans déconner ! Mais comment il fait pour aller aussi vite ? Ah, je ne peux plus. Oh là là, je le rattrape. Non, je le rattrape pas. Il nage ! Il m'a eu ! Oh là là ! Il a remporté le 100 mètres. Le 100 mètres nage. Le 100 mètres nage pataugeoire. Bravo à vous, monsieur Arquet. Bravo à vous. Vous avez battu, monsieur le maire, au 100 mètres nage. Comment ça s'appelle déjà ? Nage pataugeoire. Super. Mais bravo. Je voudrais remercier ma mère, mon père qui est parti chercher du lait, qui n'est jamais revenu. Mais qui et mes frères et mes sœurs, c'est ça ? Oui, mais ils sont très loin, là. Ils sont en Australie. Très bien. Alors, mes respects pour eux. Très bien. Merci.
Ah, on arrive, Monsieur Anto. Oh, ils sont là. Ils sont là. Monsieur Anto et Monsieur Saver sont là. Mais qui sont beaux. Comment allez-vous, messieurs? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Anto. Comment allez-vous? Et Monsieur Saver, est-ce qu'il nous entend? Oui, j'ai eu peur. Toi. Oh. Très bien. Mes respects, Monsieur Saver. Mes respects, Monsieur Anto. Mes respects. J'espère que vous allez bien. Mes grands respects. Premier adjoint. Je vais bien, merci. Oh, c'est très beau ce que vous êtes en train de faire. Vous avez pris les décisions, en fait, du coup. Écoutez, pour l'instant, oui. Vous nous direz ce que vous en pensez après. D'accord. Donc, du coup, j'ai vu que le nuancier, vous l'aviez retiré. Ouais, parce que du coup, on avait dit qu'on avait trouvé les couleurs qu'il voilà, faut. Je on me le suis changera dit... après s'il faut, c'est pas bien Tout grave. À fait. Si vous avez changé le nuancier, c'est que vous avez forcément choisi... Si vous avez effacé le... ou plutôt détruit le nuancier, c'est que vous avez choisi vos couleurs, effectivement. On avait choisi à la fin du... live précédent, donc tout moi, à je fait. Me suis dit que c'était bon, qu'on pouvait le retirer. D'accord, bon alors si vous avez pris votre décision, en tout cas je trouve ça très très beau comme entrée. J'ai vu que vous avez retapé déjà l'entrée, c'est magnifique, pour aller... Ouais. C'est très Monsieur bien. Le maire. C'est très... Oui, c'est plutôt joli. Hein. Monsieur le maire, nous avons eu un message de la part de Dr Nintendo. Oui, un message... Un message de Monsieur Dr Nintendo, c'est un message écrit, c'est quoi comme... C'est un message écrit dans votre téléphone. C'est un dans SMS. Votre téléphone. Peut-être un message que je n'ai pas vu. SMS de Dr Nintendo. Je suis devant la télévision et l'allocution de Saver ne se lance pas. Ah, effectivement, mais je voulais reporter... l'intronisation de Monsieur Saver, puisque Monsieur Chef Puma et Monsieur Madame Chef Puma est en vacances avec Monsieur Dr Nintendo. Donc s'il y a que trois personnes pour écouter l'allocution de Monsieur Saver, je me suis dit qu'il faut peut-être reporter ça à la semaine prochaine. C'est une grave. Donc, que Monsieur Dr Nintendo m'envoie un SMS dans le chat pour me répondre, mais s'il y a deux Whammers qui sont en vacances, ça ne sert à rien de faire une intronisation. Oh, ça, c'est ouais. le guichet, ça. Très, très bonne idée. Exactement. Très très bonne idée le guichet. Vous êtes un premier adjoint beaucoup plus entreprenant que le dernier qui a honteusement démissionné. Ça me fait plaisir, merci. Et cela va de soi, très cher Monsieur Saver. Et je suis très fier de vous. Ah. Vous n'avez pas encore été intronisé, que je suis ravi de vous voir. En tant que bâtisseur dans le Wamworld. Oh, Monsieur Crinofab est là. Bonjour, Monsieur Crinofab. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Crinofab. Comment allez-vous? Attends. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu dans le Wamworld. Okay. Ah oui, ça fait très dis-moi longtemps. Dis-moi pour le toit, là, qu'est-ce que de revenir. De revenir enfin sur ce beau Wamworld. Soit des briques, soit. Ah bah écoutez, si vous êtes content de revenir dans ce beau Wamworld, vous m'envoyez ravi. Venez, monsieur Crinofab, on les dérange, ils sont en train de travailler. Excusez-nous, messieurs. Alors. Quelle péripétie, je suis en ce moment, monsieur. Ouais, gauche. Alors, quelle péripétie je suis bien. Alors, comment allez-vous, monsieur Crinofab? Oh, très mal, monsieur. Comment ça, très mal? Qu'est-ce qui se passe? Ma maison n'est toujours pas construite. Ah, effectivement. Mais ma foi, on a embauché un entrepreneur qui ne travaille jamais. Effectivement, on peut dire son nom. Monsieur. Alors, c'est incroyable, parce que pour les travaux publics, il a bâti des monuments monstres, mais quand il s'agit de travailler pour le privé, il n'y a plus personne. Ah, plus personne. Vous savez à quoi servait ma maison? Je ne comprends pas. Ma maison sert de rituel maintenant. Oui, tout à fait, on a fait des invocations, nous avons appelé la mort. Alors j'espère que ça ne causera pas de problème à votre domicile, mais si vous avez des dames blanches qui apparaissent, à mon avis,
vous pouvez commencer à avoir peur. Personnellement, je crois que vous n'auriez jamais dû appeler faire ce rituel. Pourquoi ? Je dis ça comme ça. Sérieusement ? Oui, bon. Je crois que vous n'auriez jamais dû faire ce rituel. Très bien, vous savez que vous me faites peur là, mais bon, on verra bien ce qui va se passer. On verra les conséquences. On verra les conséquences plus tard, mais j'aime pas trop ça. Moi, personnellement, je n'étais pas pour faire des invocations sataniques dans votre domicile. C'est anodin, à vrai dire, dans un domicile privé. Tout à fait, on a fait une violation de domicile en plus. Mais on vous avait oublié, monsieur Crinofab, vous n'étiez pas venu depuis des semaines. J'étais chez mamie. Des mois. Ah, vous étiez chez mamie. Alors, si mamie... comment elle s'appelait ? Mamie Ginette. Mamie Ginette. Vous passerez le bonjour à Mamie Ginette de notre part. Elle est un peu en fin de vie, en fait. Ah. Mais ça, c'est autre chose. Bon, bah écoutez, vous m'envoyez en tout cas ravi de vous retrouver ici. Si vous voulez lui envoyer une enveloppe et une petite carte postale, c'est pas de refus. Je peux lui envoyer un steak, déjà, c'est très bien. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est parfait. Mal. Je vais vous laisser ici, monsieur Crinofab. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Et je suis ravi. J'ai pas pu vous accueillir dans mon bureau puisqu'on était assez éloignés. Mais ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver, en tout cas. Ah, moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir de vous revoir, monsieur. Merci beaucoup. Vous m'avez manqué. Mes respects. Mais également, de même, cela va de soi et c'est en retour. Avec accusé de réception. Avec accusé de réception, fond. Hein. Mes respects. Attendez, je sais plus comment m'agenouiller. Mes respects. Vous appuyez sur votre pouce droit. Mes respects. Le pouce droit du stick. Mes respects. Moi, j'ai des articulations assez spéciales. Ah, et vous avez des articulations à bouton claviérique, en fait. À d'accord. Très bien, mes respects. Le médecin m'a dit que ça allait s'empirer, d'ailleurs. Très bien. Parfait. Bon, je vous remercie beaucoup. Eh ben, je vous remercie à vous, monsieur le maire. Je vous souhaite une agréable... Merci, de même. Que cela va de soi en retour de vous-même. Au revoir. Au revoir. Alors. Les bâtisseurs de l'extrême, magnifique. Ça dégage, voilà, ça se met là, hop. Alors je suis désolé si des fois je vous coupe un petit peu pour qu'on soit en privé, mais voilà, je pense que vous devez jongler entre les différentes sections. Non, mais c'est bon, ça t'inquiète pas. Voilà, ça veut dire que des fois je vous coupe en pleine conversation, mais j'essaye de vous remettre au plus vite. On était en train juste de réfléchir sur les panneaux, en fait. Donc, très bien. Je disais que vous étiez des bâtisseurs de l'extrême, et vous m'envoyez ravi de voir une magnifique construction s'établir dans le Wamworld. Je suis fier de vous avoir désigné en tant que maître d'ouvrage, monsieur Anto. Ça me fait extrêmement plaisir. Écoutez, tout le plaisir est pour moi. Bonsoir. Par contre, il manque un truc, là. Tac, voilà. On est pas mal. Bonsoir, monsieur Big Matt. Comment ça va ? J'espère que tu vas bien, Big Matt. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau ? Alors, par contre, le zoo, ça avance. Hein. C'est plutôt très joli. J'aime beaucoup ce sol. Hein. J'aime vraiment beaucoup ce sol. Et j'aime vraiment beaucoup ce sol. Vraiment, vraiment. C'est un très bon choix de la part de monsieur Siver. Hein. Ah, franchement, pouvait pas faire mieux. Hein. Salut le diable des Whammer, comment ça va ? Bonsoir le peuple des Whammer et bonsoir le maire et U pour Doc. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font quand même, Docteur Nintendo. Docteur Nintendo et Chef Puma. Ils sont en train de nous préparer un truc, je pense que ça va pas le faire. Je pense que ça va pas le faire du tout. On verra bien. Alors là, franchement, une entrée extraordinaire. Hein.
Faudra que je m'occupe de ces trucs-là, hein. Vraiment. Va falloir que je m'en occupe, en tout cas, ça c'est sûr. Moi je vais bien et toi? Ben ça va nickel, je te remercie beaucoup le Diable des Whammer, ça va nickel. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mettons un peu d'herbe. Ouais, on va habiller un peu les côtés pour que ça fasse moins uniforme au niveau du sol. Mais qu'est-ce que c'est beau. Nous avons des architectes. Des vrais architectes. Monsieur, vous voyez, monsieur Crinophabe, vous voyez là, dans ces 5 mètres carrés. Ah ben, ces 5 mètres carrés, c'est déjà plus de construction que ce qu'a fait l'ancien premier adjoint du Whamworld. Je pense à premier adjoint qui prend sa tarif. Avant de démissionner, il nous a abandonnés. C'est une après... trahison. Non, mais non, j'ai dit démissionner. Je n'oserais pas utiliser le terme trahir pour monsieur Docteur Nintendo, qui a quand même subi une tentative d'assassinat. Mais je tiens à dire que son mandat était quand même un échec. Et il a démissionné, écoutez-moi bien, il a démissionné pour partir en vacances. C'est quand même... Oh là là. C'est une honte. C'est quand même honteux, c'est ce que j'allais dire. C'est ouais, tout de même. Les fleurs comme ça. Ouais. C'est vous vous rendez compte si moi je faisais ça à mon travail. Ah ben oui, clairement. Là, bonjour, monsieur Tunisane. Venez avec moi, monsieur Tunisane. J'espère que vous allez bien. Bien, et bien, et vous. Voilà. Alors, ok. Attendez un instant. D'accord. Comment allez-vous, monsieur Tunisane? Je vais bien, et vous? Alors, pour une fois, vous êtes à l'heure ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas d'occupation. D'accord. Je vais profiter avec vous. Ah, ben c'est magnifique. Vous m'envoyez ravi. Est-ce que vous avez une maison, monsieur Tunisane? Oui. Est-ce que ça vous dirait de continuer à la construire? Parce qu'il faut des objectifs pour chacun des habitants de cette magnifique ville. Je me demandais si vous voulez continuer à la construire pour nous prévenir ensuite quand elle sera terminée, pour qu'on vienne la visiter. D'accord, je vais le faire. Parce que je vais venir avec vous. Vous allez vous... Elle est vraiment loin. Vous allez vous TP, c'est ça? Oui, elle est vraiment loin. Ah, suivez-moi. On va y aller à pied. Parce que on peut pas se TP. C'est pas possible. Vous pouvez pas vous TP. Est-ce que vous pouvez vous TP vous-même? C'est pas possible. Non. Alors, on va passer par où? Le problème, c'est qu'on est bloqué, là. Hein. On est bloqué. Escalader. Ah, on va peut-être escalader par là. Ah, j'ai peut-être trouvé un chemin. Venez. Bon, ah, ben, monsieur Arquet est avec nous. Monsieur Arquet. Bonsoir. Est-ce que vous voulez bien donner un coup de main à monsieur Tunisane pour construire sa maison? Construire sa maison? Oui, il n'y a pas de souci. Ben voilà, ça tombe bien. Monsieur Tunisane, je vous ai trouvé un manœuvre pour construire votre maison. Ça vous intéresse? Merci, oui. Parfait, magnifique. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais construire le chemin qui amène à votre maison, parce que je crois qu'elle n'est pas reliée au tout à l'égout, votre appartement. Non, c'est rien. Que je dise le lieu où il pourrait construire sa maison. Vous m'avez dit ma quoi, maison, monsieur? Elle est à l'autre bout du village, ma maison. Oui, tout à fait, on y va, on vous suit, je me souviens où elle est. Il faut traverser tout le village, ce magnifique village du Whamworld que nous avons construit avec tant d'amour et tant de passion. Et s'il trouve ça très beau, le Diable des Whammer, ben merci beaucoup, le Diable des Whammer, ça me fait extrêmement plaisir. C'est magnifique. Hop, on va passer par là, il a raison. Et moi, quand je me suis reconnecté, je me suis dit... Waouh, il y a eu du super travail sur la map. Alors, est-ce que tu nous as rejoint, Walibi?
Le palais, il a été construit en survie ou en créatif? Il a été construit en survie. Et je peux vous dire que on a fait des ampoules à l'index. Je sais pas si vous étiez présent lors de la construction de ce palais, je pense pas. Oh non. Mais j'étais avant, mais pas après. Mais on s'est usé l'index, hein, vraiment. Moi j'étais là il y a fort longtemps, et j'ai disparu du jour au lendemain, et j'ai réapparu, il y a pas longtemps, et me revoilà. Alors, la maison d'Arkay est où? La maison de Tunisienne, elle était elle ici. Est là-bas. Ça va bien, merci, rien de spécial en ce moment. Mais écoute, Big Matt, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas d'emmerde. C'est ça le plus important, j'ai envie de dire. Ah, et voilà. La elle est là, la maison de Tunisienne. Elle est reliée à quelque chose en bas, à un générateur. C'est que je vous fasse la visite. Il y a un générateur, vous m'avez dit. Oui. Alors, c'est-à-dire en full RP, Big Matt, tu veux dire quoi par là? Le full RP. Alors, l'entrée est ici. Vous m'avez dit un générateur. Le générateur, il est où? Il est en bas? Oui, en bas, faut descendre à l'échelle. Un générateur. Ah oui, attends. Poursuivi en justice, il n'y aura pas d'avertissement. Zone privée du grand, le seul et l'unique gamer tag. Ah, c'était un générateur de zombies, si je me souviens bien, non? Oui, je crois aussi. Ça fait très longtemps que je suis pas retourné. Oh, on voit rien, là. C'est... Faudrait éclairer. Oui. Vous pouvez même pas mais mettre... je sais pas comment faire. Vous avez pas mais des en torches bas, c'est éclairé. SMS de Dr Nintendo. J'ai récolté plus de 6000 blocs de diorite pour ce palais. Ouais, et là, ils vont tuer les zombies ici. Alors, il est où le générateur? Là. Je crois qu'il est en pleine construction. Je crois qu'il est là. Hein. Oui, il est là. Il est bien ici. Il est là, courageux. Attendez, il faudrait casser peut-être pour le voir. Voilà, il est ici. Effectivement. Oh là là, mais ils peuvent sauter là. Bon, ça, il peut pas rentrer. Il peut pas rentrer, c'est pas possible. Il y a des bébés zombies. Il y a même un bébé zombie. Vous dites TP, reconnexion. Ben non, justement, j'ai dit que... Oui, on n'est pas 100% RP. Parce que normalement, on ne devrait pas dire TP, Big Mac, je suis d'accord avec toi. On ne devrait pas parler de téléportation, on ne devrait pas parler de reconnexion. Mais c'est vrai que là, à des moments, c'est très compliqué. Mais on ne sait pas TP, hein. On évite le TP au maximum, en tout cas. Le TP est utilisé vraiment en dernier recours. Oui, je me souviens, monsieur... Je me souviens, monsieur Tunisienne, de votre générateur de zombies. Je ne savais même pas que ça existait, d'ailleurs. C'est plus long à monter qu'à descendre, en tout cas, oui. N'oublions pas la porte. Très bien. Les panneaux, bien entendu. Je pensais pas avoir fait autant de chemin, quand même. Bon, parfait. Et on a une vue sur la plaine et la ville. Je suis un peu bloqué, là, dans votre dalle. Voilà, ça y est. Ça y est, je me suis débloqué. Merci beaucoup, monsieur Tunisienne. Vous avez vraiment une très belle vue sur le Big Wham, en tout cas. Ça fait plaisir. Merci. Et je compte agrandir et faire d'autres étages au-dessus pour avoir une meilleure vue. D'accord. Ah oui, très très bonne idée, ça. Alors, oui, j'ai répondu à ton message, donc par rapport... est-ce qu'on est en full RP? On essaye d'être en full RP, mais c'est vrai que des fois, on parle de TP, on parle de reconnexion, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas trop l'expérience dans le RP. Je pense qu'après, quand viendra le moment, et qu'on sera tous prêts et préparés, on fera vraiment du full RP. Et là, il y a même des habitants du One World qui sont même en créatif, hein. Mais sinon la plupart sont en survie. Ouais, on en a fait des allers-retours pour le palais, effectivement, le diable des Whammer. Je suis un grand joueur de GTA RP, donc ça me choque MDR. Ah ben oui, c'est normal, j'imagine bien, Big Matt, j'imagine bien. Mais on essaye tant bien que mal de faire un petit peu de RP comme on peut, je dis bien. Et monsieur Event, il est où? Je le vois plus là. Chez moi. Ah, vous êtes chez vous, carrément?
loin. Ah, vous êtes très très loin. Alors, merci, au revoir. Au revoir. Alors là, vous allez faire le sol, j'imagine bien, oui, monsieur Tunizan. Oui, je fais notre sol. Est-ce que je peux vous aider un petit peu? Oui, si vous voulez. Je vais vous aider un petit peu. Oui. Attention à la trappe, par contre, ici. Hein. Faudra la... Ouais. À remettre en place. Ça, j'ai fait attention de ne pas casser... Voilà, attention, ici vous avez un trou dessous. Hein. Ah oui. Mais c'est normal, c'est normal. Parce que vous allez pouvoir en remettre. On peut casser là où il y a les panneaux, hein, c'est bon. Hein. Oui. Oh. Parfait. Ils sont là depuis très longtemps. Ah ouais, vous allez me mettre un sol digne de ce nom, je pense. Ah oui, vous inquiétez même pas. Là. Oui, là c'est mieux déjà. C'est mieux. Je vais condamner les grottes pour éviter que les monstres viennent. Ah ben oui, tout à fait, bien entendu. Voilà. J'aimerais bien tester. Je vais venir vous faire du RP. Ah ben écoute, avec grand plaisir, Big Matin, hein, si tu as Minecraft sur PC, sur Switch ou sur n'importe quelle console, en fait, tu peux nous rejoindre. Hein. C'est pas un problème, Big Matin. Hein. Tu nous rejoins quand tu veux. Ouais, le sol colle bien là. Ah, j'aime oui, bien ce truc de pierre. J'aime beaucoup ce carrelage, monsieur Tunizan. J'aime beaucoup ce carrelage. Ouais. Hop, attention, on va pas vous blesser. Ah, je me suis pas blessé, merci beaucoup. Merci de m'avoir prévenu. De rien. Et oui, là vous sortez les briques en direct en fait, là, avec votre four. Oui, après je les assemble dans mon établi. Oui, forcément. Et ça me fait des briques détaillées. Ah, c'est super, c'est super. Après, c'est vrai que je vais regarder de l'extérieur. Un étage en plus, ça pourrait faire pas mal, hein, avec une baie vitrée. Hein. Ça ferait une sorte de building qui serait... Oui, je compte faire 2-3 étages. Ouais, 2-3. Sur à peu près toute la surface. Je suis en train de faire une vue d'ensemble, là. C'est vrai que 2-3 étages, ça ferait une sorte de building. Oui, sur toute la surface. Collé à la montagne. Ouais, collé à la montagne, collé au rocher, ça serait vraiment sympathique à voir. Je mettrais des cascades d'eau et tout. Ah, alors là, vous me vendez du rêve, monsieur Tunizan. Oui, je suis un promoteur immobilier. Ah, ça me fait plaisir. En tout cas, je reviendrai vous voir. Je reviendrai vous voir dès lors que... vos travaux auront un petit peu avancé. Mais franchement, ouais. Vous m'avez vendu du rêve. Hein. Cascade, building à 3 étages, collé au rocher, j'apprécie beaucoup. Hein. Merci. Très bien. Je vous dis à plus tard, je repasse vous voir pour vérifier l'avancée des travaux, monsieur Tunizan. D'accord. Merci beaucoup. À plus tard. À plus tard, merci beaucoup, au revoir. Alors, bah, écoute, ce que j'ai demandé déjà... C'est que, Big Matt, ce que j'ai demandé, c'est déjà qu'il y ait des personnages qui... des personnes dans la map qui déjà créent des scénarios, histoire de mettre de l'émulsion dans nos lives. Et c'est ce qui s'est passé déjà il y a 15 jours, c'était très intéressant, avec l'arrivée de l'entité Zola, c'était plutôt pas mal, effectivement. Alors, Walibi, il arrive. Dès que je te vois connecté, Walibi... Je te rejoins à la mairie et je vais te faire le parcours d'initiation que j'ai pas fait depuis très très longtemps. Donc dis-moi dès que tu es en train de te connecter, Walibi. Ben voilà, Shen Xiao est connecté. Ne bouge pas, Walibi. Je viens vers toi pour te faire le parcours d'initiation. Donc si tu ne peux pas parler dans le Discord, tu vas devoir garder le live allumé. Pour m'entendre en direct. Et tu me répondras par oui ou par non. Ou tu me répondras par message du chat du jeu. Ou par le chat... pour tout ce qui concerne le jeu, tu me réponds par écrit sur le chat du jeu. Mes respects. Mes respects, monsieur Shen Xiao. Monsieur Shen Xiao. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est en plein bug. Il fait une crise d'épilepsie, là. Pas possible. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Shen Xiao? Si vous m'entendez, vous me faites un oui de la tête comme ça. Alors, mes respects d'abord, oui, mes respects.
Mes respects. Très bien. Alors, oui. Alors, monsieur Cheng Xiao, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous me faites oui de la tête, comme ça. Un gros oui. Est-ce qu'il m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vais lui envoyer un message. C'est bon, il m'a dit. C'est bon. Alors, oui, il m'entend. Parfait. Alors, vous allez venir avec moi. Je vais vous faire le parcours d'initiation, monsieur Cheng Xiao. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vous demandez de me suivre. Voilà, très bien. Alors là, vous êtes dans la cour de la mairie. Je vais vous présenter... Donc ici, à l'intérieur de la mairie, à gauche, vous avez le bureau de monsieur le maire. C'est marqué ici. Le bureau du maire. Entrée sous permission. Donc personne n'entre dans ce bureau si vous n'avez pas la permission. Là, vous pouvez entrer. Donc je vous présente le bureau de monsieur le maire avec le fameux tableau d'honneur des donations de tous les Whammer. Et un grand merci à tous ceux qui ont... soutenu la chaîne. Un grand merci. D'ailleurs, je suis en retard sur les panneaux. Il va falloir que j'en rajoute. Hein. Il va falloir que j'en rajoute. Beaucoup en plus. Alors, monsieur Cheng Xiao, ça c'était le bureau de monsieur le maire. Ici, nous avons la salle des votes. Entrée sous permission également. Est-ce que vous avez compris? Donc la salle des votes, vous rentrez... Et vous avez, donc avant de rentrer, je vous poserai une question à tout le groupe. Et une fois que les votes sont ouverts, tout le monde rentre. S'ils vont du côté « je vote pour » ici, il y a le côté « je vote contre » ici. Donc là, vous avez compris. Mais de rien, Wham, pour les donations. Mais merci beaucoup encore, le diable des Whammer. Merci beaucoup. Vous avez compris. Si vous avez compris pour le bureau de monsieur le maire et la salle des votes, dites-moi oui. Alors, il prend son temps pour regarder, hein. Oui, il a compris. Parfait. Venez avec moi. On va attendre qu'ils me suivent. Tranquillement. On prend notre temps. On n'est pas pressé. C'est vrai que là, dire qu'on jouait que comme ça au début, hein, il n'y avait pas de vocal et tous les joueurs m'écoutaient par le biais du live. Et il y avait 20 secondes de décalage à chaque fois. Alors, je vais vous donner quelques steaks. Parce que je pense que vous allez avoir faim. Prenez les steaks. Expliquez-moi comment rejoindre le vocal. Le vocal, c'est sur le Discord. Prenez les steaks, vous allez avoir faim, je pense. Voilà, très bien, parfait. Alors, monsieur Cheng Xiao, vous me suivez, s'il vous plaît. Très bien. Nous allons faire le tableau des 10 commandements. Voilà, ici, donc le tableau des 10 commandements du Whamworld. Ce sont des règles qu'il faut... Oh là là, il est parti où? Il est parti au bout du monde pour nous rejoindre. Il est perdu, ça y est. Non, je suis ici. Je crois qu'il a l'habitude de jouer, en fait. Monsieur Cheng Xiao. Est-ce que vous avez déjà joué à Minecraft? Parce que là, je vous vois faire un peu nimp. Je trouve ça un peu bizarre.
Venez, suivez-moi. Je crois qu'il joue sur... Mais c'est pas possible, il joue sur PlayStation. Suivez-moi. Oui, bon, parce que là, vous me faites peur quand même. Hein. Vous me faites un petit peu peur. Nous allons voir le règlement du One World. Ce sont les 10 commandements qu'il faut absolument respecter. D'accord ? Donc, je vais vous les énumérer. Vous allez les lire un par un. Et je veux vous voir devant le tableau comme ça. Règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3, règle numéro 4, règle numéro 5. Lisez-les toutes, s'il vous plaît. Donc, règle numéro 1, toujours écouter monsieur le maire. D'accord ? Il est en train de la lire. Parfait. Règle numéro 2. Toujours voir le live pour entendre le maire. Très bien. Celle-ci est optionnelle hein, si vous êtes sur le Discord. Ne jamais rien détruire chez les autres. Ne jamais rien détruire chez les autres. Très bien. Ne jamais rien construire chez les autres. Oh là là, mais comment il fait pour voir la pancarte d'aussi près ? Il doit être malvoyant, c'est pas possible. Il doit être malvoyant. Règle numéro 5. Ne jamais rien voler chez les autres. Ne jamais rien voler chez les autres. Règle numéro 5. J'avoue, ça fait longtemps que tu n'as pas fait le parcours d'initiation. Ouais, c'est vrai, le diable des Whammer, c'est carrément vrai. Pourquoi tu nous rejoins pas ? Je t'ai vu sur Minecraft connecté. Ensuite, règle numéro 6. Aucun cheat n'est autorisé dans la ville. Ah, il est malvoyant, monsieur Chen Xiao. Veuillez m'excuser, veuillez m'excuser. Mais le plus important, c'est de bien connaître les règles. Surtout la 3 et la 4, hein. La 3, ne jamais rien détruire chez les autres et ne jamais rien construire chez les autres, elles sont essentielles. Donc, aucun cheat n'est autorisé dans la ville. Règle numéro 6. Très bien. Règle numéro 7. Ne pas spammer le chat YouTube ou Twitch ni du jeu. Très bien. Ensuite, règle numéro 8. Les nouveaux doivent bâtir leur maison. On va y venir après, monsieur Chen Xiao. On va y venir après. Règle numéro 9. Toujours aller voir le maire pour des projets de construction. Et numéro 10. Vivre en paix entre habitants du One World. C'est parce que j'ai des invités. Ok, le diable des Whammer, ok. Très bien, monsieur Cheng Zhao. Vous avez lu les 10 commandements. C'est marqué ici, les 10 commandements du One World. Est-ce que vous acceptez les 10 commandements du One World ? Vous m'écrivez « j'accepte » ou vous me faites un « oui » avec la tête. S'il vous plaît, un grand merci. Là, ça fait même bizarre de pas discuter avec quelqu'un tellement on a pris l'habitude d'être en vocal. Mais exceptionnellement, pour Cheng Zhao, j'accepte qu'il intègre la map et qu'il nous entende à travers le Twitch en fait. Hein. Parce que là, c'est vrai qu'il accepte tout. Magnifique. Donc, on va se référer au commandement numéro 8. Les nouveaux doivent bâtir leur maison. Donc, je vais vous mettre à côté de chez Monsieur Gamertag. Donc, vous allez venir avec moi. Et sur place, je vais désigner l'endroit de votre maison. Et je vous donnerai les droits pour bâtir et construire dans le Whammer. Donc, je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. Attention, parce que vous allez devoir bien mémoriser le chemin, parce que le One World est très très grand. Il est très très grand. Regardez la taille du One World. Ici, on a la map. Venez. Venez. Ici, on a la map. Donc, en gros, nous sommes ici, sur ce point. Et nous allons vous mettre ici. Voilà, donc on a quand même bâti pas mal de choses, hein. On a un tramway, on a un train, on a tout ce qu'il faut. Hein. Donc je vais vous donner
Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un chariot, si j'arrive à le trouver, et on va prendre le métro pour aller à l'endroit... pour aller à l'endroit décidé. Donc venez avec moi, on va aller au métro. Donc l'entrée de métro la plus... Merci pour le follow Kevin Loop, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc je le répète, si vous avez Minecraft et que vous avez follow la chaîne, vous pouvez rejoindre la map. On fait un Minecraft RP, donc on a une map et on crée des scénarios pour s'amuser et vivre dans le Minecraft ensemble. Là, je fais le parcours d'initiation à Chen Xiao qui vient de rejoindre la map afin qu'il nous rejoigne tout simplement. Donc le métro, j'avais dit le métro. Alors le métro est ici. Venez. Alors, vous n'avez pas les droits, c'est normal. Donc on va descendre sur le métro, on va prendre la direction du nord. Alors, est-ce que on va choper... Non, il n'y en a pas. Donc je vais vous donner un wagon. Alors les wagons sont où ? Il va falloir que je trouve les wagons, moi, là. Ça va être une vraie galère. Où sont les wagons ? Ils sont là. Wagonnés. Parfait. Alors, wagonnés. Hop, ici. Alors, tenez. Prenez un wagon. Ok, je vais m'en reprendre un pour moi. Voilà. Alors, avec le wagonnet, vous allez prendre la direction du nord, d'accord? Par ici, vous allez me suivre. Allez-y, venez. Parfait. Alors, si tu as le jeu Kevin Loop, tu peux nous rejoindre, il n'y a aucun problème. Et merci beaucoup pour ton follow, hein, ça me fait très plaisir. Alors, pourquoi je suis parti dans l'autre sens? Merde! Parce qu'il y a une enfoirose de... Venez, changez de direction. Oh là là, c'est le bordel. C'est le bordel à cause de ces wagons, là. Il y en a 12 000. Venez, venez. Monsieur Cheng Zhao, je vous ai perdu dans le métro, bordel. Le Diable et Wammer, est-ce que tu peux faire un point d'exclamation Minecraft? Non, venez, venez. Monsieur Cheng Zhao, je vais vous donner un autre wagon. Ah, voilà. Venez, je pense que le mieux c'est de prendre cette ligne là. Sauter, je pense que le mieux c'est de prendre la ligne de gauche. Voilà, très bien. Venez. Voilà, je pense que le mieux c'est de prendre la ligne de gauche en montant. Je pense que celle-ci n'est pas perturbée par les wagons. Allez-y, attention. Je pense que celle-ci n'est pas perturbée, venez. Voilà, magnifique. Le métro, on l'a construit quand même assez tard. Hein. Tu as fait une... Voilà, merci beaucoup le Diable des Wammer. Voilà, voici comment rejoindre le Wamworld. Vous avez le message qui vous... Il faut lâcher un like. Le like, c'était pour YouTube, mais il faut juste se follow. Il va falloir que je change le message. Hein. Il faut juste follow et vous me donnez votre pseudo. Et vous pouvez rejoindre. Ici... C'est la sortie du Big Wham. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller tout au nord de la map. Ensuite, on aura la sortie Grove Street. La sortie Grove Street, c'est la sortie qui nous amène sur un lotissement d'habitants du Wham World. Voilà, ici, c'est la sortie Grove Street. Mais nous allons prendre la sortie nord. Nous allons aller au terminus. Il nous a dit quoi, le docteur Nintendo, dans le chat? Il nous a dit... Alors attendez que je retrouve son message. Il me semblait qu'il avait lâché un message. Ah, il est là.
Elle a lâché un i. Sinon, je vais le retirer. Parfait. C'est parfait. On est pas mal. Donc là, on arrive pratiquement au terminus. On fait la montée finale. Voilà. Nous sommes arrivés. Magnifique. Allez, vous venez avec moi, s'il vous plaît. On va descendre. Il y a le jeu qui lag un peu, là, mais c'est un peu complexe, mais ça passe. Ok, donc toujours fermer les portes derrière soi, hein, monsieur Qingzhao. Ah putain, j'ai mis le chat en pause, moi, depuis tout à l'heure. Je suis désolé. Alors... on va descendre. Nous sommes fiers du One World, effectivement. Ici, nous sommes à la piscine municipale. La piscine municipale qui a été construite par Monsieur Anto. Et nous sommes pas peu fiers de notre swimming pool. Est-ce que vous voulez la visiter? Je vais vous la montrer juste pour le fun. Voilà, magnifique. Magnifique piscine avec un pédiluve et tout, c'est extraordinaire. Hein. Il y a même un toboggan. Hein. Bon, très bien, on va pas s'attarder non plus trop longtemps. Et donc mon pseudo c'est Wham, vous êtes sur jeu de Wham, et la piscine s'appelle Swimming Pool. Et ça, ça me fait plaisir. Alors, très bien. On va prendre le pont pour rejoindre le lotissement Grove Street. Et on va passer par ici. Et nous allons arriver bientôt à l'endroit où on va construire votre maison. On va passer par là. On y est presque. Voilà. Donc ici, vous avez monsieur Gamertag qui a construit sa maison ici. Et vous allez construire votre maison ici. Est-ce que vous avez compris, monsieur Qingzhao? Si vous avez compris, monsieur Qingzhao, je vais vous demander de me répondre oui, j'ai compris. Et je vais vous... donner les droits pour construire. Donc, je vous fais confiance, monsieur Qingzhao. Oui, j'ai compris. Parfait. Monsieur Qingzhao... je vous mets membre et vous pouvez donc miner, construire, fabriquer, vous avez les droits. Donc si vous voulez retourner à la mairie ou dans le sud, sinon vous pouvez effectivement passer, voyez la tour du Big Wham. Vous la longez sur la gauche et vous retournez vers la mairie. Vous avez une forêt qui est située là-bas derrière. Alors, il y a Monsieur Arquet qui est là. Attendez, je vais lui parler. Monsieur Arquet. Bonsoir. Oui, rebonsoir. Est-ce que vous pouvez donner un petit coup de main à Monsieur Qingzhao, qui est nouvel habitant dans le One World, pour construire sa maison et pour lui expliquer par message les forêts les plus proches, pour aller chercher du bois et tout? Ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouvez m'aider. J'aimerais, mais je suis un peu paumé. Vous cherchez quoi exactement? Je me balade dans la ville, mais niveau où il y a les forêts et tout, c'est un peu compliqué. D'accord. Pas très loin de chez moi, il y a plein de maisons abandonnées, mais... il y a une forêt à côté en plus. D'accord, oui c'est vrai, mais j'aurais aimé qu'on installe une maison ici. Ah, ici, bah...
Sinon, venez avec moi. Je vais vous montrer où il y a une forêt. Venez avec moi, monsieur Arquet. Comme ça, vous continuez à aider monsieur Cheng Xiao. Venez avec nous, monsieur Cheng Xiao. On est en survie, hein, monsieur Cheng Xiao. Hein. Allez, venez avec moi. Je vais vous montrer où il y a des forêts que vous pouvez récolter du bois. Il y a un œuf d'Under Dragon. Donc déjà ici, il y a quelques arbres. Hein. Bon, ils ont déjà été un petit peu attaqués, j'ai l'impression. Monsieur le maire ? Oui, je vous écoute. Cheng Xiao ne suit pas du tout. Ah, il est un peu lent, monsieur Cheng Xiao, mais à chaque fois, il fait ce qu'on lui... Il écoute, il entend, il... C'est juste qu'il y a un petit décalage pour lui, parce qu'il n'est pas en direct avec nous dans le vocal. C'est vrai. Bien. Il a trouvé, il suit... Ah, vous êtes là. Parfait. Évidemment, il suit. Venez, venez, je suis ici, mes respects. Je suis là, monsieur le maire est là. Il y a la petite poule, voilà. Parfait. Alors, quand vous longez la maison de monsieur Tunisane, ici, vous arrivez sur une grande plaine. Et là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous voyez, il y a plein d'arbres ici. Donc, vous pouvez vous servir. Ici, cette forêt, vous pouvez vous servir. Aucun problème. Est-ce que c'est bon? Je peux vous laisser, monsieur Arquet, avec lui? Je peux. Oui, je vais essayer. Très bien, parfait. Merci beaucoup, monsieur Arquet. Merci beaucoup. Quoi? Alors, ce que je vais faire, c'est retourner au zoo pour voir un peu ce qu'il en est. Parce que la construction du zoo m'intéresse. À mon avis, ils ont dû bien avancer par rapport à tout à l'heure. Donc, on retourne au zoo. Je vais essayer de prendre cette fois le... Pour que vous ayez une vue d'ensemble. Parce que le métro, c'est pas très intéressant à voyager dessus. Donc, je vais vous montrer un petit peu le One World. Par le tramway. J'avais dit qu'on faisait un tramway. Donc je vais récupérer le tramway, c'est là, je crois. Parce que le métro, en fait, en distance, il est beaucoup plus grand. Donc la piscine municipale, on a fait une pagode que Evanco a magnifiquement construit. Un pont italien, magnifique pont italien. C'est vrai que la pagode, elle est belle de loin. On se croirait en Asie, là, quand on la voit comme ça, c'est incroyable. On se croirait vraiment dans un temple japonais. C'était vraiment l'idée. L'idée était vraiment de construire un temple japonais avec un jardin japonais et tout. Sur différents plateaux, on a fait aussi le fameux... Ah, il est beau le One World, hein, clairement. Hein. Il y a eu du boulot de fait, hein, ça fait plus d'un an qu'on est sur cette map, hein, où on se retrouve pratiquement une fois par semaine. On est à plus de 200 heures, je pense, 200 heures de live là-dessus. 200 heures de live, on a fait. Hein. Pratiquement. Hein. C'est extraordinaire, hein, le boulot qui a été accompli. Allez, je vais vous faire un petit tour de RER. C'est parti. Hop. Et je vais vous faire visiter le One World par le train. Donc, on peut voir le palais, on peut voir l'avenue du Big Wham là-bas. On a également un théâtre, la place de la Triforce, la place d'Hyrule avec une Triforce, seul pixel art du One World, parce que ça méritait. Là, on a aussi un lotissement qui a été construit, un petit peu abandonné celui-ci par des joueurs qui sont venus et n'ont pas trop évolué dans le One World. Ici, on a une ferme qui s'est construite. Ah, le palais nous a pris énormément de temps, le palais. J'ai l'impression que les wagonnets vont beaucoup plus lentement qu'avec cette mise à jour, je sais pas pourquoi. Oh putain, je me suis tapé un...
Je me suis tapé un... Comment ça s'appelle un... Ils vont moins vite, j'ai l'impression, les wagonnets. Ici, on a une genre de serre avec des abeilles dedans. On a une ferme qui est ici. On a aussi l'office du tourisme. On a des hangars, une mairie, donc. Le palais, il est énorme. Hein. Le palais, un truc de ouf. Hein. On a passé du temps. Hein. Le palais, on a dû faire au moins 60 heures pour construire ce palais en survie. Facile. Au moins 60 heures. Si je me trompe pas, une soixantaine d'heures. Alors, un magnifique jardin aussi. Un magnifique jardin qui a été établi beaucoup de temps après le palais, quand même. Hein. On était passé à d'autres constructions. Et là, le zoo. Oh, je vois que ça avance bien, le zoo qui sera ici également. Je vais aller les voir justement. Le palais et son jardin est vraiment magnifique. Hein. Donc la statue de la Wamerté qui est juste en face avec un sgeg géant. On a la statue de la queue de scorpion qui se situe derrière. Il y a eu vraiment un boulot énorme. Et chacun a sa maison. Ok, allez, je vais aller les voir. Alors, où ça en est? Ah, le Top Toff aussi, effectivement. Je l'ai pas présenté, le Top Toff. Je l'ai pas présenté. Mais il était loin, il était trop loin, le Top Toff, pour le présenter, on l'a pas vu. Donc une statue de dragon, effectivement. Billetterie. C'est très très bien, ça. Magnifique. Waouh, mais quelle entrée magnifique. Quelle entrée magnifique. Alors là, on a un sgeg géant. Il y a qu'ici que vous entendrez ça dans une présentation. Il a rigolé. Effectivement, on a la statue de la Wamerté avec un sgeg géant. Oh là là! Ah oui, non mais là ils ont fait un boulot... Ah ouais, non mais les gars, ça va trop vite. Mais c'est super comme idée, ça. En plus, c'est hyper large. Je me suis dit, les animaux, ils vont être dans des petites cages, mais en fait, ils ont trop bien réfléchi au truc. C'est des grands espaces pour les animaux, c'est énorme. Oh, mais ils t'ont fait ça en une heure. Bon, là, l'ours polaire, il est quand même un peu en train de s'échapper du zoo, les gars. C'est un peu la galère. Mais ça va. Faudrait mettre des baies vitrées, je pense. Parce que là, il a faim, là, l'ours polaire. Je pense qu'il va aller attaquer le lama qui est juste là-bas. Ça a fait peur. Et là, il me regarde, il insiste. Hein. Oh là là, il me regarde, là. Il me fixe. Il va m'attaquer, les gars. Je vais sortir l'épée, là. Hein. Oh là là, pourquoi tu me fixes comme ça, là, l'ours polaire? Ah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Oh là là, mais quelle bonne idée. Non, mais franchement, ils se sont fait plaisir, là. Ça le fait, mais ça le fait super bien, en plus, parce que tu rentres là, tout est prévu pour les animaux. Mais oui, clairement, vous pensez au bien-être des animaux. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Oh là là, j'ai cru voir un tigre là-bas. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme animaux. Donc, une vache, un genre de léopard. Ah, oh, c'est super ce que vous avez fait, franchement. Un âne. Oui, oui, on est sur le serveur Discord, hein, Cheng Zhao. Alors, ah oui, non, mais c'était Saver qui posait la question. Un âne, un poney, parce qu'il est petit ce cheval. Donc, soit c'est un poulain, soit c'est un poney, hein. Je ne sais pas. Non, c'est un poulain, ça, c'est un poulain. Heureusement qu'il y a Evan Kodok et Anto et les autres.
et pas monsieur le maire, hein, pour construire. Hein. Alors ici on a quoi? Alors je sais pas ce qu'il y aura dans la serre. Donc là on a... C'est quoi? C'est un cheval là ou c'est un âne? Un cheval là. J'ai eu l'idée de la fontaine pour orienter les espaces. Mais oui, mais c'est très très... C'est une très très bonne idée ça. Elle est superbe en plus cette fontaine. J'aime beaucoup le design. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette serre? Ah franchement, un bébé léopard. Oh là là, il est mignon. Il est mignon. Tu vas te faire bouffer par le chat, il est trois fois plus gros que toi. Il faudrait peut-être une base. Il faudrait peut-être une base. Une base sur la verrière. Alors pardon. Mais depuis tout à l'heure, je peux discuter avec eux et je le fais pas. Je suis sincèrement désolé, depuis tout à l'heure, je parle. Depuis tout à l'heure, je parle et vous êtes là, messieurs. Anthony n'est plus là, s'il est là, très bien. Oui. J'ai fait un petit jeu de mots pour les ocelotes là-bas, mais on va pas le laisser, c'est juste pour le délire. C'est super ce que vous avez fait, franchement. Je suis... À la base, je voulais faire une fontaine de ouf avec un animal genre au milieu, mais ça prend trop de place. Non, mais c'est franchement, non, c'est très très bien comme ça, c'est magnifique. Ah ouais, t'as pas dit, Lenny, la texture ici, là, elle va avec l'eau, elle va devenir verte comme la Statue de la Liberté, à force, elle va changer de couleur. Ah oui, eh oui, c'est de la ferraille. Et eh oui, forcément, c'est du cuivre. Avec le temps, elle va s'oxyder. Elle va s'oxyder. Non, mais une texture encore. Mais c'est pris en charge par Minecraft, ça? Ouais, c'est le nouveau bloc. Normalement, ouais. Avec la snapshot. Ah ouais, c'est un nouveau bloc de la dernière mise à jour. D'accord, ok. Et là-bas, on a un coin ici aussi. On a aménagé de la verdure. Avant, c'était de la pierre. J'ai tout changé. Fever, il avait une idée. Oh, mais c'est super ce que vous avez fait, franchement. Là-bas, tout au fond, il y aura un coin spécial ici. En une demi-heure, vous avez fait ce que le premier adjoint n'a jamais fait pendant tout son mandat. Alors là, je suis impressionné. Par contre, je pense que la verrière, on devrait peut-être la caler au moins sur un socle. En fer, par exemple, comme ça. Oui, non, mais je vais changer, mais c'est juste voir ce que ça donne. D'accord. Bah, autant pour moi. Le plus minimaliste possible. Je bouche et faites comme vous voulez après, derrière. Oui, très bien. Merci. De toute façon, pour là, c'est pareil, on va refaire une zone aussi, ici. C'est très, très beau. Très, très beau. Ça fait extrêmement plaisir de... Là, ça sera donc une serre avec des abeilles, si je me trompe pas. Oui, exactement. J'ai l'impression que ça manque quand même de quelque chose. C'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que je peux mettre? Alors. Moi aussi, je sais ce que je vais mettre. Franchement, je ne suis pas peu fier de vous avoir orienté sur cette construction qui bat son plein. Franchement. Je suis agréablement surpris. C'est super d'avoir un coin comme ça avec des animaux. Magnifique. Et du coup, là, tu veux faire quoi? Parce qu'ici, on avait commencé... Ouais, je sais pas, en vrai. Où ça? Si tu veux faire un fond terrain. Ah oui. Oh, c'est super. Oh là là. Les ocelotes de revolver. J'ai compris la référence, moi, en tout cas. Ah bah oui, là c'est obligatoire, celle-ci. ça restera probablement pas, mais c'est pour le délire, quoi, ça va bien faire. Et là, en fait, c'était que de la pierre, et on a mis des ocelotes à la place, justement, pour un repère, un peu. Ouais, c'est super d'avoir fait une sorte de cuve comme ça.
on va... Et après, j'avais pensé aussi au niveau des... Ça, je l'avais proposé à Siver, au niveau des arbres ici, la végétation juste là où on est, en fait, de faire une cascade d'eau avec tous les perroquets pour avoir un effet de bleu avec toutes les couleurs des perroquets. J'ai envie qu'on ait des rouges, des verts et tout, pour que ça ressorte avec la cascade d'eau, justement. Aménager une cascade d'eau le long du mur. Ah, ils vont faire un truc de barjo. Ah, ils vont faire un truc de barjo. Ça, ouais. J'aime bien. Ah, c'est sympa, il y a le perroquet et tout. Ah, j'avais pas vu. Il est André. Mignon. Il est mignon, le perroquet. Vas-y. Entre chaque pilier, là, faudrait que tu me mettes... Du bois. Non, du verre. Très bien, messieurs. Ah, du verre, attends. Je ne vous dérange pas plus, franchement. Je ne vous dérangez pas. Monsieur le maire est sur le cul. Merci. Merci à vous, à plus tard. À plus tard. Du coup, attends, tu parles de genre comme ça, là, viens voir, comme ça. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Alors, je vais aller voir un petit peu où est monsieur Crinofab. Monsieur Crinofab, il est où? Monsieur Crinofab, il est où? Parce que je le vois pas depuis tout à l'heure. Faudrait quand même que je m'occupe de l'entrée. Hein. Pas déconner non plus. Hein. On va essayer de passer par là, rapidos. Peut-être qu'il est en train de construire sa maison, je sais pas. C'est bizarre parce que monsieur Crinofab... Il est même plus dans le... Je le vois même plus dans le Discord. Pourtant, il est connecté. Nous sommes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors... Mais t'es sérieux, le golem? Le golem, il est rentré dans un... Le golem, il est rentré dans un... Comment ça s'appelle, là? Dans un wagon, sérieux? Sans déconner. N'importe quoi. Bon. Je crois que Monsieur Crinofab a rejoint un plan machiavélique. Franchement, le zoo est pas mal. C'est vraiment bien fait. Bravo à Anto et Cyver. Mais oui, clairement, le diable des Whammer. Moi, je suis vachement surpris. Je suis vachement surpris du boulot qu'ils ont fait, quoi. C'est un truc de fou. Ah ouais, non, mais ils ont fait un... là, ça commence vraiment bien. Alors, je vais pouvoir aller présenter le top-top. Puisque là, on se rapproche du centre-ville. On est revenu à la mairie. Je vais aller voir un petit peu Monsieur Tunisane. Voir un peu ce qu'il en est. Voilà, le dragon est ici. On a une statue avec un dragon... Avec la montée, avec l'allée du top-top, si je me trompe pas. Chaque rue a des noms, hein. On s'est pris la peine de nommer chaque rue. Voilà, on arrive sur le top-top avec le fameux... avec la fameuse inscription du One World à ses pieds. Voilà. Ici même. Le One World. Le One World avec le top-top au-dessus. Je vais faire quand même la montée du One World. Donc un magnifique dragon qui a été construit par Evanco. Je vais vous montrer je vais vous montrer également le... C'est magnifique. Magnifique. Je vais vous montrer également le théâtre. Le théâtre est énorme. Il est énorme, le théâtre. Donc là, quand on monte l'allée du top-top... Il avait été mentionné un dicton... Quand le dragon gueule ouverte montre les dents, gare à ceux qui le déshonorent.
effectivement, là, le dragon, il est plutôt grand, n'empêche. On le voit pas aussi grand hein, quand on est de... Alors, on avait construit aussi une police municipale, on avait construit vraiment beaucoup de trucs. Il y a un food truck aussi ici, tant qu'à faire. Ah, franchement, il y a eu un boulot de malade qui a été fait. Hein. C'est là où je me rends compte qu'en fait, ça a charbonné sévère. Hein. Le WAM Police Department. Le WAM Police Department. Donc, le food truck est ici. On avait un dinner aussi. On a fabriqué un dinner vraiment en mode années 50 et tout, quoi. Plutôt bien fait. Les toilettes, bien sûr. Et donc, le fameux théâtre. Alors, le théâtre, je vous annonce, c'est quelque chose de très très lourd. Hein. C'est quelque chose de très très lourd. Ah, mais les lumières sont éteintes sur la scène, c'est dommage. Donc, sur 3 étages, s'il vous plaît. Sur 3 étages. Le théâtre est énormissime. Hop. Je vais sortir ici. Et je vais vous montrer donc sur 3 étages. Donc il y a encore même... Je sais pas s'il y a encore un étage au-dessus. Donc le plafonnier est magnifique. Le lustre est extraordinaire. Vraiment. Regardez. Étage numéro 2. Premier étage, deuxième étage. Les sièges en bas. C'est énorme ce qui a été fait. Et encore là, la scène n'est pas éclairée. Je vais essayer d'aller vous l'éclairer, tiens. Je vais essayer de vous l'éclairer. Donc ici, on a la tombe de Dr. Nintendo. Pauvre Dr. Nintendo, il est mort 10 fois dans ce jeu. Alors, voyons voir. Voilà. Je cherche les boutons de la scène. Oui, c'est bon là. Je suis en train d'éclairer la scène. Non, c'était pas le bon bouton. Là, il faut les pousser en fait. Pour que ça soit allumé. Et le bouton central, il est où? Ça doit être celui-là, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà, la scène est éclairée. Magnifique. Hein. Je crois que c'est parti du top que tu utilises le mode créatif. Peut-être, ouais. Peut-être. Ouais, je crois que t'as raison. Hein. C'est après le top qu'on a commencé à utiliser le mode créatif. Hein. Donc ici, la scène avec plusieurs jeux de lumière. Hein, c'est énormissime. Hein. On a décidé de créer une scène et... C'est vrai que ça le fait, quoi. On se croirait vraiment dans un théâtre. Hein. Il y a vraiment un boulot de dingue qui a été fait ici de la part de Monsieur Docteur Nintendo. En tout cas, bravo à lui pour le travail effectué. Grâce à lui, on peut faire des pièces de théâtre dans le WAM World et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Donc on a un dinner, j'avais dit, la police municipale avec des cellules si on veut arrêter des malfrats. Avec des annonces pour tout dépôt de plainte, adressez-vous à l'accueil, merci. Alerte enlèvement, tas de gras. Oui, tas de gras, on l'a perdu. Hein. Tas de gras, c'était un joueur qui venait au tout début de la map, mais s'il voyait la map aujourd'hui, il hallucinerait, je pense, parce qu'elle est énormissime. Wow, c'est pas magnifique, là, le soleil qui se lève devant l'horloge du Big Wham. Oh là là, une pharmacie également. Regardez-moi le Big Wham ici. On a également une île suspendue. On était parti dans un délire en fait. Donc une pharmacie. Avec les portes coulissantes et tout, c'est énorme. Regardez ça. C'est énormissime.
avec des potions de partout. On est vraiment sur... on est parti vraiment sur quelque chose de... de tout ce que vous pouvez trouver sur votre, dans votre ville, en fait. On voulait que ça soit dans, dans le One World. Et ça, ça, ça le rend... Je vais essayer de vous montrer quand même, là, en survolant un petit peu le Big Wham. Hein. Donc quand je dis Big Wham, c'est parce qu'il a le... il a le W sur le côté. Et c'est vrai que c'est le monument le plus haut. C'est le monument le plus haut du One World. Ah, quoique la pagode. Eh, quoique la pagode. Alors, si on prend en haut de l'antenne... si on prend en haut de l'antenne... je sais pas. Est-ce qu'on est plus haut que la pagode là-bas? Je pense, hein. Ah, il y a un boulot de dingue qui a été fait. Ah, on a une taverne aussi, mais franchement, il y a tellement de trucs à vous montrer. On a un moulin. C'est là qu'on se rend compte qu'il est énorme, qu'il est très grand. On a une arène. On a un circus aussi. Donc ça, c'est la maison de Dr. Nintendo. On a la résidence secondaire de... on a une ferme aussi. On a une scierie. On a une machine à construire, à construire des blocs aussi. Ah ouais, non, mais on a fait un boulot de dingue. Pas mal aussi le Capitole, maître. Il se moque de moi, chef Puma. Parce qu'il est en train de m'écouter. Il est en train de se moquer de moi. Le Capitole est ici, c'est moi qui l'ai construit. En fait, là, le bâtiment que vous voyez ici, donc surnommé le Capitole, c'est le premier bâtiment qui a été construit sur cette map. Et c'était à la base une ferme. C'était ma maison. Ah si si, vous vous moquez de moi là, monsieur chef Puma. il rigole, monsieur chef Puma. Très bien, très bien. Je prends note, monsieur chef Puma. Alors... il y a du boulot, il y a eu du boulot de fait. Hein. Énormissime. Alors, on va retourner. Ah, Best Triforce a rejoint la map. Mais qui c'est ce Best Triforce? On ne le connaît pas. Best Triforce, un joueur PS4 en plus. Bon, de toute façon, il a aucun droit. Il peut que visiter. Il peut que visiter. Après, il faudrait regarder tous les lives sur Minecraft. Putain, on est sur l'épisode combien, là? On est sur l'épisode 78, je crois, ou 79, là. Donc, c'est facile, vous faites le calcul des lives de 2 heures. Donc, 78 x 2, et vous avez le nombre d'heures. Donc, ça fait 140 plus 16, 156. 156 heures de live. Allez, on va retourner voir Arkay. Et Arkay et Xing Xiao. Je pense que c'est ma faute. Pourquoi il dit ça, monsieur Chen Xiao? Alors... alors, qui c'est qui est ami avec Best, je sais pas quoi, avec Best Triforce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ami avec Best Triforce par hasard? N'hésitez pas à l'orienter sur le live Twitch pour qu'il se présente, et s'il veut rejoindre, ma foi, on peut le faire rejoindre. Hein. C'est pas un problème. Presque 200 heures sur le Wamor, tout à fait. Alors, Monsieur Tunisian est ici. Ah, c'est magnifique. Ici débute Cheng Xiao. Ah ben, il a tout compris. J'ai même pas eu besoin de lui expliquer. Je pense que c'est Arkay qui lui a expliqué et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, parce que quand vous réservez un terrain dans le One World, vous mettez un panneau
qui explique que c'est vous qui construisez ici et il l'a fait, c'est magnifique. Alors je vais aller voir un peu... Bonjour Monsieur Tunisan. Alors on va aller voir si... Ça va Monsieur Tunisan? Best vient sur le live Twitch. Ok Chen Xiao. S'il vient sur le live Twitch, il se présente, il follow et il peut rejoindre la map. Wam, juste lis mes messages Minecraft. Alors autant pour moi. Autant pour moi. Je vous reprends dans un instant, monsieur Tunisan. Ok, ça marche. Alors attendez. Alors les messages. Help, 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 help. Ah, au secours, au secours. Il est où, chef Puma? Vous êtes où? SMS, chef Puma. Alors, je m'occuperai plus tard. Shen Xiao, est-ce que tu peux dire à Best Triforce qu'on s'occupera de lui plus tard? Ah, il a bug, Tunisan. Ok, SMS. SMS tout de suite. Vous êtes où, chef Puma? SMS. Donc ça, c'est un SMS que j'envoie à chef Puma. Vous êtes où, chef Puma? Peut-être qu'il est juste devant moi, là, et je suis en train d'écrire un texto. J'ai renvoyé un message. SMS, vous êtes où, chef Puma? Vous êtes où? Monsieur Tunisan, mes respects, comment allez-vous? Ah, vous avez refait le sol. Il est au Capitole. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Tunisan, j'ai une urgence. Mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Je suis désolé, monsieur Tunisan. Alors, je regarde juste le sol que vous avez fait. Ah, c'est super. Vous avez caché un coffre dans le sol, c'est très bien. Il faut cacher son argent, monsieur Tunisan. Il faut cacher son argent. C'est super. Ça rend vraiment bien. J'ai hâte de voir l'étage supérieur, hein. Donc, monsieur Tunisan, est-ce que vous m'entendez ou pas? Bon, des fois, ça bug. Non, il ne peut pas parler. Changez de salle, monsieur Tunisan. Changez de salle tout seul, monsieur Tunisan. Normalement, ça... Ah, voilà, ça y est, ça fonctionne. C'est juste quand on me déplace, et ben... Oui, ça marche pas, des fois, oui, je sais. Je sais. Comme vous pouvez voir, du coup, j'avance sur ma maison. Premier étage. Très voilà. Bien. Ah, c'est super. En tout cas, bonne continuation, monsieur Tunisan. Vous avez fait un sol qui est magnifique. Avec les cascades d'eau, c'est extraordinaire. Ça va être génial, je pense. Oui, merci. Et il faudrait aussi un peu plus de lumière, car j'en ai pas. Ouais, ouais. Donc, j'en trouve. Oui, il faut trouver du charbon pour ça. Du charbon, ouais. et faire des torches. On vous aidera dès que possible, mais là j'ai une urgence, monsieur Tunisan, je suis obligé de vous quitter. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, je vous écoute. Est-ce qu'il y aura un Battle Royale aussi? Ce soir, je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soir il y aura un Battle Royale, puisque des Whammers sont en vacances. Ah. Donc, je ne peux pas vous répondre maintenant. D'accord, bonne continuation. Je vous remercie beaucoup, monsieur Tunisan, au revoir. De rien. Alors, vite, monsieur Chef Puma est au Capitole. Il faut que je rejoigne monsieur Chef Puma au Capitole. Apparemment, il m'a dit au secours, help. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais aller voir tout de suite. Monsieur Arquet est là. Monsieur Arquet, comment allez-vous? Bonsoir à nouveau. Je vous entends pas bien, monsieur Arquet. Ah bon, attendez. Je vais faire de la magie. Vous avez des problèmes de voix en ce moment, de gorge. Attendez. C'est là, mieux ça... peut-être ? Là, ça va mieux. Si je tends l'oreille, je vous entends. Ok, ok. C'est parfait, je vous entends bien. Qu'est-ce qui se passe ? Bah rien, je me baladais, je vous ai recroisé et voilà. Très bien. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne balade alors, profitez bien. Merci. Et vu vos habits, j'ai une petite info à vous donner. Je crois qu'il y a des plantations de ganja derrière la colline là-bas.
Ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ah là, ça, ça vous intéresse. Hein. Ah, yeah, yeah. Vous savez c'est combien? Rastafari. Exactement. A brother de Namazobar Banana. Je vais vérifier ça avec lui. Ah, oh, brother, oui. Mother, brother, Anosa Mama. Mother, Mama. Ah, il connaît. Allez, je vous souhaite une bonne continuation, monsieur Arquet. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Allez, vite. Monsieur le maire et Konok est convoqué au Capitole. Je suis carrément convoqué au Capitole. Alors, Shengxia, est-ce que tu peux dire à Best Triforce de venir sur Twitch pour qu'il discute avec moi, pour que je lui explique comment ça fonctionne. Tu lui dis de taper Twitch jeu de WAM. Comme ça, il follow la chaîne et après, il pourra nous rejoindre. Vite, ça y est, je suis au Capitole. Que se passe-t-il? Oh là là, ils font du sport. Qu'est-ce que c'est que ces personnes-là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vois Crinofab déjà. Crinofab, je vois Chef Puma. Alors, bonsoir! Que se passe-t-il? Comment allez-vous? Bonsoir. Vous faites du sport? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites des étirements? Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Ça la gratte. Ça la gratte. Alors... Bonjour monsieur. Bonsoir monsieur le maire. Oui. C'est bien vous monsieur le maire du Wan. Je ne vous entends pas bien. C'est bien vous, monsieur le maire de Wamwam? Oui, c'est bien moi. Bonjour, monsieur. Qui vous êtes? Présentez-vous. Enchanté. Monsieur de la cour. Enchanté. Monsieur de la cour. Et, bonjour. Je me présente aussi. Est-ce que je t'ai donné la parole? Non. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? La fille à côté, c'est Martine. Oui, Martine, c'est ça. Tu peux te présenter maintenant. Ah, bonjour, je m'appelle Martine. D'accord. Bah, écoutez, voilà. On va éviter toutes sortes de malentendus. Je préfère vous recevoir confortablement, donc je vous invite dans mon bureau, madame et monsieur. Eh bien, très bien. Veuillez rentrer, s'il vous plaît. Par contre, j'ai l'impression d'être témoin de violences intrafamiliales. Non, il se passe rien. Non. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Pas de ça dans le One World, hein, je vous le dis de suite. Pardon, je me mets à genoux. Pardon. Je préfère cela. Très bien. Entrons dans votre bureau, monsieur le maire. Alors, je vais vous demander de parler un petit peu plus fort, monsieur Delacour, parce que je vous entends pas très bien. Très bien. Et je vous annonce qu'il est 23h45 et il nous reste 15 minutes avant que tout le monde quitte le Wamworld. Bon, m'entendez-vous bien là? Oui, je vous entends bien. Très bien. Donc, comme vous avez pu l'apercevoir, nous sommes nouveaux dans cette ville. Et après quelques temps, en fait, nous sommes venus nous installer. Et nous avons un petit manoir, j'exagère un peu, un grand manoir. Et oui, Martine. Comment? J'entends des petits rires. Non, je me moque pas. Pas le fouet, s'il vous plaît. Très bien, je reprends. Madame Martine, arrêtez de vous soumettre comme ça. Relevez-vous, s'il vous plaît. Et pas de ça devant monsieur le maire. Hein. Très bien. Si vous avez quelque chose à dire, monsieur Lacour, vous en référerez à moi. Nous sommes dans le One World. Vous ne parlez pas aux dames comme ça devant moi. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est qu'une catin. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai entendu? Répétez. Pardon. Non, je m'excuse, monsieur. Je m'excuse, maître. Non, que m'avez-vous fait? Vous savez quoi là? Vous m'avez tapé. Pardon. J'accepte ma punition. Mais je suis en train d'halluciner. Vous êtes dans le bureau de monsieur le maire. Je suis en train d'halluciner. Non, mais c'est normal, monsieur le maire.
vous acceptez ce genre de conditions, madame Martine ? Oui. Mais vous inquiétez pas, tout va très bien, tout se passe super. Rien de grave, rien de grave. Mais rien de grave, vraiment, je vais donc, très bien. Nous nous sommes installés dans notre manoir et nous avons, depuis quelque temps, des choses très bizarres se passent. Oui. À vrai dire, dans notre salon, des tableaux changent de place. Des chaises tombent, bougent, et des bougies s'éteignent toutes seules. Oh, là vous me faites peur parce que j'aime pas trop ça. Eh bien, effectivement, c'est très angoissant. Nous sommes arrivés il y a quoi ? Un mois peut-être ? Un mois et demi, un mois et demi. Un mois et demi ? Un peu plus d'un mois et demi. Un mois et demi ? Peut-être 2 mois, je sais plus, peut-être 2 mois. Oui, bon, chute ! Et du coup, nous avons remarqué ce phénomène assez étrange, à vrai dire. Le déménagement est toujours en train de se faire actuellement, et quelques constructions de nouvelles pièces aussi. Mais nous sommes vraiment très dérangés de ces choses. Et on voulait savoir si le Wamworm se passait aussi des choses paranormales que vous avez vues peut-être ces derniers temps. Alors, ces derniers temps, je dois vous avouer, monsieur de la Cour, et d'ailleurs, je tiens à vous dire que vous ressemblez beaucoup à un vieil ami à moi qui s'appelait monsieur Frankenstein. Je trouve que vous monsieur le ressemblez. Frankenstein. Monsieur Frankenstein, vous le ressemblez. C'est vrai que vous ressemblez beaucoup à Frankenstein. Est-ce que je vous ai parlé ? Est-ce que je vous ai parlé ? Non, mais je suis en train d'halluciner là. Je suis en train d'halluciner. On respecte les dames, monsieur de la cour. On ne respecte pas les catins ici. Enfin, chez moi. Oui monsieur, je vais arrêter. Bon, écoutez. Vous ne parlez que si je vous donne la parole. Je vous l'ai dit 10 fois, Martin. Oui. Dans le château, dans le salon, à chaque fois, je vous le dis. Oui, pardon. Ça commence à bien faire. Bon, sachez, monsieur. Pardon. Bon, monsieur de la cour. Monsieur je de la cour. Je mets à 4 pattes pour vous. Oui, allez-y. En tant qu'homme respectable. Je vous lèche les pieds, monsieur. Qui sont ces gueux qui est à notre fenêtre, les gueux là qui nous regardent, c'est qui eux ? Je sais pas, mais on est observés, ils ont le droit d'être dans le jardin. Monsieur de la cour. D'accord, donc c'est... Je tiens à vous dire... C'est un moulin. Oui, c'est un peu un moulin, là, c'est la cour. Ils ont pas le droit de rentrer dans le bureau, c'est tout. On est dans un lieu privé, ici, dans mon bureau, ne vous inquiétez pas. Vous êtes pas. Moche, vous m'entendez à travers cette vitre, vous êtes moche, petit gueux. Monsieur de la cour, venez, s'il vous plaît. Donc je dois vous avouer qu'il y a 15 jours, nous avons eu quelques problèmes de type paranormal situés dans le centre ancien du Wamworld, situé derrière moi, dans une maison, dans une bâtisse qui devait être construite et qui n'a jamais été construite. Et nous avons essayé d'invoquer... La pauvre dame. Sachez, monsieur de la cour, que je n'accepte pas ce genre de comportement dans le Wamworld et que je ne cautionne pas du tout ce que vous faites. Maintenant, si Martine, elle accepte, non, mais c'est pas mon problème. C'est ma punition, monsieur, c'est ma punition. Elle accepte. Oh, je suis mauvaise. Je dois, vous êtes pire que mauvaise. Voilà. Vous êtes tous les mots injurieux. C'est normal, c'est normal. Très bien. Excusez-moi. Bon. Je m'emporte un peu avec cette Martine. Très bien. Bon, écoutez. Vous serez privé de repas ce soir. D'accord. Privé de repas, carrément. Donc, monsieur de la cour, oui, il y a eu bien des problèmes de type paranormal il y a 15 jours dans le centre du Wamworld. Et j'espère que ça n'a pas causé le réveil de certains esprits ailleurs. Nous sommes peut-être les fautifs de ce qui se produit dans votre manoir actuellement. Oh là là là, miséricorde. Miséricordieux. Que va-t-il nous arriver maintenant ? Que va-t-il nous arriver ? Les tableaux vont sortir de leur cadre peut-être maintenant. Ce n'est peut-être qu'un début. Martine a subi des griffes pendant la nuit. Oui, oui. Et je vous jure que c'est pas mon maître qui m'a griffé cette fois-ci. Et moi, vous... je te griffe, moi ! Non. Oh mon Dieu. Alors, qu'est-ce que vous me proposez, monsieur de la cour ? Que je vous propose. Répondez, Martine, pour une fois que vous pouvez servir à quelque chose. D'accord. Bah, pour l'instant, on va... Ah, désolé, j'ai un peu mal aux fesses. Vous n'avez pas mal. Non, j'ai pas mal. J'ai pas mal. Je suis en bonne santé. Oui, oui, oui. Allez-y. Oui, monsieur. Alors,
Il me semble qu'on comptait organiser d'ici les prochains jours ou prochaines semaines une fête, c'est ça ? Une fois que notre manoir sera construit. Oui, c'est cela. Une fête sera oui. organisée. Voilà, donc normalement, on devrait revenir vers vous d'ici les prochaines semaines ou prochains jours, selon l'avance de nos travaux, etc. Et donc, on s'est dit que un bel homme comme vous, aussi je renommé... Reprends. Voilà, un bel homme. Mais je vais pas finir. Taisez-vous ! Bah écoutez, du moment que... Et du coup, nous voulions entre... Oui, parlons. De grande classe sociale. S'il vous plaît, monsieur, vous êtes qui ? Espèce de gueux. Espèce de gueux. Très bien. Monsieur de la cour. Nous voulions vous inviter, car vous êtes un grand homme riche comme moi, et vous savez mener les troupes, comme on dit chez nous. Très bien. Alors, monsieur de la cour, en tant que maire du One World, je suis très honoré de recevoir votre invitation, que j'accepte uniquement si je peux venir avec ma délégation du One World. Bah, pour la fête, je peux prendre la parole, monsieur ? En même temps, allez-y. Alors j'ai envie de vous dire d'abord qu'elle a commencé de parler avant de qu'elle vous demande la parole. Excusez-vous. Vous avez raison. S'il vous plaît. Je commence à prendre plaisir. Vous voulez peut-être tester ? Non, merci, non, merci. Je ne mange pas de ce pain-là, monsieur Frankenstein. Monsieur Delacour, pardon. Très bon. Monsieur Delacour. Regardez. Monsieur Frankenstein. Monsieur Tunisian, je vais vous demander de sortir, moulin, s'il vous plaît. C'est un moulin. Vous voulez peut-être de la farine ? Un peu de blé, peut-être ? C'est bon, il est reparti. Très bien. Il est reparti. Non, il est revenu. Je sais que vous accepteriez pas ça chez vous, des gueux qui arrivent dans notre manoir. Hein. Non. Monsieur Tunisian, je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh là 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 là. Voilà, c'est bon, j'espère c'est réglé. Il n'y a pas que des gueux comme ça. C'est réglé, il voilà, reste... C'est pour ça, donc, pour notre fête, en tout cas, on avait prévu une liste d'invités, mais les gueux, je ne sais pas si c'est forcément une bonne les idée. Les gueux ne seront pas acceptés. Hein. D'accord, très bien. Donc, bien désolé, de toute façon, la fête n'est pas encore organisée. Votre classe sociale, que, comme vous, sera acceptée. Hein. Nous avons 5 minutes pour terminer cette conversation, donc j'accepte votre invitation, et vous devez me dire... Mais nous allons revenir vers vous, de toute façon, pour les modalités... Effectivement, elle parle un peu trop, votre dame là. Elle parle un peu trop, elle a la bouche un peu grande ouverte. Hein. Tout à fait. Tu t'as salé pour de bonnes choses, Martine. Je recodais. Oui, d'accord, j'arrive vers vos pieds alors. Je ne cautionne pas la violence envers les dames, mais j'avoue que elle a sa langue bien pendue. On peut dire, comme dites les gueux, elle est chiante. Hein. Elle a pas sa langue bien pendue. Hein. Franchement. Très bien. Bah écoutez... Oh, pardon. Comment avez-vous osé ? Excusez-moi. Elle prend cher. Oula. Je veux bien dormir dans la niche ce soir. Oula, elle prend cher, la Martine. Très bien, elle prend bah, écoutez. Cher, elle va devenir rouge. Hein. Bon, monsieur de la cour, nous mettons un terme à cet entretien. Je vous remercie de votre invitation. Je suis très honoré et je vous annonce que je serai présent pour votre petite sauterie. J'espère juste que le manoir ne s'appelle pas la fistillière. La fistillère, très bien. Le manoir de Delacour. Ah, ça s'appelle le manoir des Delacour, très bien. N'est-ce pas, Martine ? Oui. Est-ce que ce serait possible que je parle juste 2 minutes avec monsieur le maire en privé ? Allez-y, pour une fois, je peux vous accorder quelque chose. Bon, merci beaucoup, merci. Vous serez puni en rentrant. Oui. J'irai dégager, dans la espèce de gueux. Vous êtes sur mon chemin. Dégagez, espèce de gueux. Il est un peu compliqué, votre mari. Hein. Vite. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Vous avez 4 j'ai minutes. J'ai pas osé le dire tout à l'heure. D'accord, allez-y, j'ai compris la situation. J'ai pas de très bonne. Pardon pour la. J'ai compris la situation. Vous avez 4 minutes pour m'expliquer vos problèmes, mais là, va falloir faire quelque chose. Je ne vis pas dans de très bonnes conditions.
on va dire. Oui, j'ai vu ça, effectivement. Mais le problème, c'est que je ne peux rien y faire. J'ai quand même envie de continuer de travailler avec lui parce que j'ai... Je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est syndrome de Stockholm, etc. Au final, on s'attache à ses agresseurs. Oui, tout à fait. Il arrive du mal, ni rien. Je connais le syndrome de Stockholm, oui. Tout à fait. Mais j'ai envie que rien ne se passe avec lui, etc. Voilà. D'accord. Bon, c'est tout ce que vous aviez à dire. Je vais rentrer, je vais pas manger, je vais me retrouver dans la niche avec le chien. D'accord, oui. Est-ce que vous voulez que nous, habitants du One World, nous faisions quelque chose pour vous? Non, pas tout de suite en tout cas. Pas tout de suite. Très bien, parce que j'ai un adjoint de la police municipale qui peut peut-être agir. Non, bah, je vous ai dit, je me suis attaché peut-être. Pour l'instant, non. D'accord, très bien. Voilà. Écoutez. Est-ce que c'est la seule personne à qui j'ai parlé de tout ça, donc... Très bien. Donc, j'imagine que le premier adjoint sera invité, je pense, pour la sauterie. Bah, je ne sais pas. On verra selon les disponibilités, etc. D'accord, parce que vous me dites qu'il y aura plusieurs personnes, mais... Il y aura tous les diplomates du monde entier, donc... D'accord, très bien. Je prends note. On sera déjà assez nombreux. Je prends note. Voilà. Nous allons devoir conclure cet entretien. Je vous remercie d'être passé. Et je prends note de votre souffrance. Ne vous inquiétez pas. Je vous raccompagne, gente dame. Allez-y. Bonjour, maître. Très bien. Alors, je vais m'en aller. Je vais faire quand même une petite vue du zoo avant de finir. Vite, il me reste une minute. Une minute pour terminer un visuel sur le zoo. En tout cas, je remercie toutes les personnes présentes dans le chat Twitch ce soir. Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça va être très très beau, je pense. Je tiens à remercier Anto, je tiens à remercier Chef Puma, Event, Nolan, Cyver, Tunisian, Shen Xiao et tous ceux qui étaient présents sur la map. Je tiens à remercier tous ceux qui étaient présents dans le chat Twitch. Merci le Diable des Whammer, merci T41, merci à tous ceux qui étaient présents. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. J'annonce officiellement en live que les lives Minecraft se dérouleront le samedi. Un grand merci à Dr Nintendo qui nous a lâché un que vous pouvez lire sur le message dans l'écran. Franchement, c'est très très beau. Vous allez tous être déconnectés automatiquement à minuit pile. Je vous remercie tous d'avoir œuvré pour le One World. Nous nous donnons rendez-vous samedi prochain pour la suite de nos aventures et le retour de Monsieur Delacour et de Martine pour un nouveau pan scénaristique. Un grand merci à vous. Plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure, dans la voiture et à jamais dans le tramway, bien sûr.